ensemble avec le ministre Alain Gagnon, pour Foreign Affairs, Lord Mayor, et l'ambassadeur de High Commission Pakistan. Et là, on fait cette réunion-là pour, d'une façon, pour informer la population qu'il peut faire ça. Nous pouvons organiser un télédon, dans des jours, nous pouvons organiser ça, dans des trois jours, nous pouvons organiser ça, pour venir en aide à la population pakistanaise qui peut souffrir beaucoup, qui nous connaît souffrir beaucoup, dans les deux, trois, dix mois. Là. Nous connaît avec cette inondation qui finit là, qui finit affecter beaucoup de monde. Parce que, puisqu'il y a 15 centimes, il mort, il impacte de l'eau environ 33 millions de monde, beaucoup de l'école, beaucoup de dispensaires, beaucoup de health facilities destroyed, une infrastructure destroyed. Et Pakistan peut passer un mauvais temps, un temps très très difficile pour l'instant. Et c'est pourquoi là, c'est pourquoi nous là, nous besoin aujourd'hui avec les NGOs as well, NGOs qui sont là, pour venir ensemble pour guider dans quelle façon nous sommes capables d'aider la population pakistanaise. Comment nous connaissons le Premier ministre, il finit faire un don de 5 millions de roupies. Et là, nous pouvons faire ensemble, dans la municipalité de Pauli, ensemble avec les autres collectivités locales, dans les municipalités et district council, nous pouvons faire un levée de fonds pour aider la population pakistanaise. Tant que la municipalité de Pauli, nous avons dit qu'il y a besoin d'aide dans le passé, la municipalité est organisée, cette fois-ci aussi, nous pouvons organiser. Là, nous faisons un appel à la population, contribuer généreusement pour une bonne cause, parce que le peuple pakistan a besoin d'aide. Il y a un devant la mairie et il y a deux comptes bancaires qui sont ouverts, un à la SBN et un à la MCB. Devant la population et transfère de l'argent, l'eau, ça, deux comptes. Okay. Et si vous avez une devination dans les autres municipalités, est-ce possible? Nous pouvons faire nécessaire pour les autres municipalités, puis nous pouvons mettre les jeunes là-bas aussi. Mais pour l'instant, c'est que la mairie de Pauli qui nous donne l'aide.